Hey Diep, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du objectif qui vient d'arriver. Après la team 2 qui vient d'arriver aussi. Du objectif de Choudhury. Je sais pas si on se dit comme ça le mec, mais désolé si j'ai vraiment prononcé mal le nom de ce joueur. Si vous aimez bien le joueur, désolé le mec. Alors maintenant, on va parler comment le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Faut aller dans quel mode de jeu? Je vous explique tout ça. Déjà, premier défi, adresser 5 passes décisives avec des MDC dans le match manager de Talon. Voilà, tu fais dans le match de Talon, tu te fais une équipe, voilà, et puis tu t'adresses 5 passes D. Ensuite, marquer 3 buts en finesse avec des joueurs ayant au moins 4 de mauvais pieds dans le même mode de jeu manager de Talon. Ensuite, marque 11 buts avec des joueurs de première ligue dans le mode manager de Talon. Ensuite, remporte 8 matchs dans le mode manager Talon avec au moins 6 joueurs de première ligue parmi les titulaires. Ensuite, marque dans 14 matchs différents avec des joueurs anglais dans manager Talon. Alors, pour aller dans manager Talon, vous faites triangle et c'est là. Vous faites une équipe max 79, 0 joueurs bronze et 3 argent. Et ensuite, une petite précision aussi au passage. Je vous conseille une équipe full première ligue car voilà. Il faut marquer avec des joueurs première ligue et des joueurs première ligue avec mélanger des joueurs d'Angleterre bien sûr, comme ça voilà, ça vous fait les défis au passage. Faites une full première ligue avec des joueurs anglais, voilà. Maintenant on va parler de comparaison et sa carte en détail. Let's go. Voici sa carte en détail. 5 de mauvais pieds, 3 de technique malheureusement, mais ici un milieu défensif. Meilleur pied droit, moyen élevé, 1m78. En garage, il a rien. Ensuite, 81 de vitesse, 82 accélération. Ensuite, on passe les vraiment pas dégueu, 81 de vitesse, 90 de passe courte et 87 de passe longue. On tire, c'est pas son domaine. Ensuite, agilité, 84, c'est limite, mais ça fera l'affaire. Équilibre, 78, on l'aurait préféré plus, mais bon, on n'y peut rien. Ensuite, en défense, il est vraiment pas mal aussi, 86 d'interception, 88 de lucidité défensive, 90 de tacle debout et 89 de tacle glissé. 84, 96 d'accélération, 84 de force, ensuite 88 d'endurance, 86 de détente. Franchement, il a une carte moyenne. Après, son gros point fort, on va dire, il est anglais et il joue en Angleterre. Donc, vous pouvez le caler avec du Curtis Jones, du Rooney, du Armstrong, du Henry. Ensuite, du Kent qui vient d'arriver aussi, si vous l'avez pas vu, la team du Kent qui vient d'arriver. Voilà. C'est une carte, il a une petite carte sympathique, on va dire, voilà. Sinon, en comparaison, vous avez du Bruno Fernandes, mais vas-y, tu connais le prix. Vous avez du Kanté, valeur sûre, tu connais, tout le temps là, président à l'appel. Ensuite, vous avez du Ruben Neves, mais bon, ça, s'il est plus. Voilà. Après, en plus, il est gratuit, le poteau. Moi personnellement, c'est une carte que je vous conseille à moitié parce qu'il est gratuit, bien sûr, il est gratuit, faites-le parce qu'il est gratuit, voilà. Vous pouvez le remettre dans des SBC, etc., etc. Mais si vous le faites pour des liens, etc., bien sûr, faites-le. Si vous avez Rooney et Kent, etc., etc., faites-le parce que voilà, il apportera pas mal de liens avec Curtis notamment, voilà. Voilà, je vous conseille cette carte si vous pouvez le caler avec des liens, voilà, et tout ça et tout ça. Sinon voilà, le faites pas si vous voulez vous forcer à le caler, etc., etc., le faites pas, voilà. Donc point final, voilà. C'était Patient FIFA, n'hésitez pas à liker, abonner si c'est déjà fait et commenter surtout.